Chers amis fidèles, paroissiens et paroissiennes, au nom du diocèse anglican de Maurice, je voudrais vous inviter à vous associer avec moi pour prier pour que chaque chrétien anglican puisse discerner et répondre à l'appel de notre Seigneur au service de l'Église et au service de la société en général. Pour vous aider à, et vous encourager à faire ce discernement, le diocèse organise une semaine des vocations du 6 au 11 septembre. Avec les restrictions sanitaires en vigueur, il nous est impossible d'avoir des rassemblements de plus de 50 personnes. C'est pour cela que tout va se faire à travers les réseaux sociaux. Toute la semaine du 6 au 11 septembre, il y aura des activités et principalement des témoignages venant des prêtres et des diacres et aussi des responsables des différents ministères au sein du diocèse. La journée des vocations va être célébrée le samedi 11 septembre. Le matin va être consacré pour la vocation sacerdotale et dans l'après-midi, la vocation en général. Nous reconnaissons que Dieu nous appelle tous à sa moisson et il nous dit que la moisson est grande et les ouvriers peu nombreux. Baptisés, nous sommes tous appelés à la sainteté et au service de nos frères et sœurs. Alors, je lance un appel à vous tous à vous engager davantage au sein de vos paroisses respectives. Le diocèse fera face à un manque réel de prêtres dans les prochaines années. Et je vous encourage à prendre du temps à prier et chercher à répondre intérieurement à cet amour de Dieu, lui qui nous a aimés en premier et qui est aussi l'initiateur de tout appel. Cette semaine de vocation sera pour vous un temps de se concentrer sur ce Dieu qui vous a appelé et consacré pour un ministère spécifique au sein de son Église. C'est vrai que l'appel est personnel, mais c'est aussi collectif, car nous sommes appelés à travailler ensemble pour bâtir son royaume. Alors, quel que soit votre statut ou condition humaine, le Seigneur Dieu vous a déjà lancé l'appel à participer à la grande moisson. Et il attend une réponse de vous. Je vous invite donc à prendre au sérieux ce temps que l'Église vous offre à mieux comprendre votre vocation. Et je vous donne rendez-vous le 11 septembre sur Zoom pour un temps de louange et d'adoration et de partage sur les différents ministères. Alors, contactez les responsables de votre paroisse pour des plus amples renseignements concernant le programme. Que le Saint-Esprit de Dieu veille sur chacun de nous et nous stimule à demander et à accueillir les vocations que Dieu nous donne. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne avec un cœur de Père. Amen.